Salut. Salut, y a quelqu'un? Il est... Attends, il était pas en calvar? Ça va? Ça va, et toi? Oula, t'es... Oui, je voulais savoir c'est quoi le débat que vous avez parlé juste avant, je viens de prendre la converse en cours. Oh, j'ai pas de débat. Chara, simplement te dire que c'est toi l'animateur qui a la caméra? Il est foncé de vous. L'autre, il fait coucou. Voilà, agitez les mains, là, comme ça, voilà. Ça va peut-être le faire réagir, parce qu'il n'est pas au courant. En fait, quand il s'est levé, on a vu son slip, donc il n'est pas au courant qu'il y a des personnes qui veulent peut-être prendre des images de lui, donc... Ouais. Vous faites quoi? Et Maxou, pourquoi t'as un drapeau, là, de LGBT derrière toi? Bah, ouais, ça le regarde, c'est quoi... Ah oui, c'est quoi ce drapeau? Attends, c'est quoi? C'est le drapeau des îles Comores, non? C'est dommage que tu sois gay, Maxou, franchement, je... Pourquoi? Bah c'est triste. Comment ça? Tu commences à faire des trucs bizarres quand ils se voient là. Quoi. Genre toi? Genre moi, ouais. C'est... Ouais, tu trouves que je présente bien? Oui, ouais, je trouve que t'es propre sur toi, c'est très bien. Ah, merci, c'est gentil. C'est pas la première fois que je vois des demoiselles draguer des gays, c'est très courant ça. Elles aiment bien toucher l'inaccessible. Ouais, t'as une touche, tu veux pas changer de bord un temps, Maxou, avec elle? Bah, je sais pas, t'as quel âge? J'ai 22 ans, Maxou. Ah, comme moi. Mais ouais, du coup, t'es homo ou t'es bisexuel, hein, Maxou? Je suis bi, t'inquiète pas. Après, je préfère les femmes. En fait, tout dépend de si t'es actif ou passif, parce que je t'avoue que... Non, moi, je suis actif, t'inquiète pas. Mettre la caméra, la demoiselle, je sais pas si elle est encore là. Écoute, Bouka, oui, bien sûr qu'on me connaît, voilà, mais je compte pas mettre ma caméra dans un endroit aussi... C'est parce que c'est Chara qui te gêne, ouais. Tyler, il avait la main dans le falzar. Ah, tu prononces Chara? Moi, je pensais que c'était Chara. Cara, ou oui. Tout à l'heure, il avait la main dans le falzar quand il s'est levé, on a vu son calbar. Oui, non, oui. C'est parce que t'as peur de lui qu'il se. Casse-toi, espèce de vieux sadique, vas-y, casse-toi là, toi. Et tu vas pas me parler sur ce ton, hein. Pichoun, tu présentes bien? Comment ça, je présente bien? T'es comment physiquement? T'es en forme? écoute. Parce que, si tu veux, on peut faire plus ample connaissance. Mec, t'as une tête de fan race, hein, de fan malin, putain, j'en t'enclenche. Tête de quoi? T'as une tête de fan race, mec, arrête. Mais ta cam avant de parler, toi. Oui, ta cam, assume tes propos, idiot. Idiot. D'ailleurs... Attends, mais je crois que je reconnais la personne, la torse nue, là, au milieu, là, avec ses écouteurs noirs. T'es pas un livreur Uber Eats, par hasard? Tu m'as pas livré, là, récemment, là, du côté de Nantes? Non. C'est pas un peu raciste comme Van. Non, pas du tout, mais je pensais l'avoir reconnu, je pensais que c'était... Tu m'as pas livré du côté. C'est pas... Et Abdel, c'est pas toi? Non, ça n'a rien à voir, c'est mon livre préféré, il s'appelle Abdel. Jean-Pierre, t'as quel âge pour me parler sur ce ton? Fils de pute, je te baise. Tu fais genre le nationaliste, mais t'es rien que de la merde, moins que de la merde. Je te préviens, espèce de connard. Moi, j'ai le bras long sur Discord, à tout moment, je peux le faire tomber. Donc arrête de me parler sur ce tour. Oh putain. Il me fait pas ce sketch. Martoni, sors de là, je connais ta mère. Oui, Max. Je peux te parler en bas de petites secondes, s'il te plaît? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, désolé, c'est qu'il y avait un peu de bruit en bas, donc je préférais te parler au calme, tu vois. Je comprends. Ok. Et du coup, tu viens d'où? Moi, j'habite en Suisse. Ah ok, je suis pas très loin. Je suis pas très bon. Et donc t'as 22 ans, tu fais quoi dans la vie? Là, pour l'instant, je fais rien, je fais pas grand chose. Et toi? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Les gens qui font rien dans leur vie, franchement, moi, c'est ce qui me plaît le plus. À moi, quand ils font vraiment rien, c'est... À toi aussi. Ouais, t'as des bons projets, je pense, dans la vie. Et en tout cas, t'as une voix très séduisante. Je pense que tu dois bien présenter. Ouais, une belle voix. Du coup, derrière toi, il y a une perruque. C'est quoi, là, derrière toi? Non, c'est un chapeau traditionnel juif. Je suis en train de me reconvertir. Là, tu cumules les mains. Sérieux? Pourquoi ça te dérange? Non, du tout, ça me dérange pas. Ah, mais la perruque, c'est genre la perruque de Rabbi Jacob que t'as derrière? Non, du tout, en fait, c'est quand je vais à la synagogue. En fait, comme je suis un berbe, j'ai la... Parce que du coup, je sais pas si t'as déjà vu, mais regarde. Oui, j'ai vu Rabbi Jacob, oui, bah c'est ça. Hein. Il y va comme ça, la synagogue. Du coup, moi, le problème, j'ai c'est envie que de en conversion, je travaille chez Ikea. Et le problème, c'est que mon employeur ne veut pas que je ne travaille pas l'endroit d'hier, donc là, on va... forcément. Mon employeur me pète les couilles, cet enculé, il veut pas que je travaille pas. Putain, quand des Suédois.
On va aller au prud'homme. Ah oui, d'accord. Ah oui, pourquoi il rejoint. Ah oui, donc en fait, même pendant Shabbat, vous arrêtez pas de faire les fourbes. Vous êtes quand même juif, même pendant Shabbat. Comment ça? S'il te plaît, tes propos antisémites, hein, on n'a rien à faire sur Discord, ici tout le monde s'accepte. Donc je te prie de maintenant de t'en aller. Oui, c'est vrai. Bref, Flav aussi, si tu peux y aller, s'il te plaît, merci. J'ai sa mère. Lui. Maxou, je m'en occupe. Flav, maintenant tu prends tes kniques et tes claques et tu dégages. On mais t'a pas sonné. T'as pas d'amis ici. Va voir, remonte avec les autres. Mais cons, là, t'es les moins sur Internet, poulet. Tu te fais des amis sur Internet, toi, putain. J'approche la cinquantaine, l'ami. Donc ferme-la maintenant. Hein, j'ai plus d'expérience et du recul sur la vie que toi. Mais je m'en bats les couilles. Avec ton accent là de sudiste de merde. Dégage là. Bon, d'accord, poulet. Voilà, allez. Bon chien. Retourne dans ta niche. Éduquer tes gamins. Oui, mes gamins, ils sont en pension à cette heure-là. Donc laisse-les. Je suis un gars d'alterné. Bravo. Et alors, les gars, t'as pas à me juger. C'est ma vie. Donc maintenant, toi, moi, je te juge alors. Dégage avec ta tête là. Faut qu'on finisse notre conversation qui a si bien débuté en fait. Bah, ça tournait un peu en rond quoi, je sais pas ce que tu en penses, toi Max. Mais Non, t'inquiète pas. Mais est-ce que t'as Snap? Si tu veux, on peut même faire des TikTok ensemble. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas TikTok, j'ai pas Snap non plus, mais j'ai Discord. Ok, et t'as Insta? Non, j'ai pas Insta non plus en fait, ouais, je t'avoue que je suis pas trop sur les réseaux sociaux. C'est bon, j'ai pas ton temps. Et ben voilà, je suis avec ces. Entre couilles. Attends, je tenais à m'excuser. Non, Maxou, ta gueule, ferme ta gueule. C'est bon? Mais t'es sérieuse, toi? tu me parles pas mal! Je t'ai pas manqué de respect, tu me parles pas mal! Tu rigoles ou quoi? C'est pas manqué de respect! Tu m'as pas manqué de respect? Pichou et Maxou, si je peux me permettre, au moins vous avez un point commun, vous êtes tous les deux déjà pris dans le fiac. Donc quelque part. Ça rapproche, quoi. Ferme ta gueule, bouc. Les femmes de ton âge, ils vous avaient étouffé par tous les orifices, ah c'est non, ce qu'on non, m'a non, dit. Tu dis n'importe j'ai quoi, une cousine, tu dis sa ça, fille. Ça, ta femme, non, ah. Ta femme, par contre, elle se l'est pris dans le cul, quoi. Ah bah, ma femme, je suis en instant de divorce, donc elle m'a certainement trompé avec un connard qui lui a mis déjà dans le fion. Non, me parle pas, Maxou, me parle pas. Attends, juste une question. Non, laisse-moi tranquille, je t'emmerde, ok? Je t'emmerde, Maxou. Attends, pourquoi tu me parles mal? Mais pourquoi les... Oui, elle est un peu ouais, lunatique, cette demoiselle. En gros, tu t'occupes des éboueurs, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, c'est pas que des éboueurs, t'as des conducteurs d'engins, t'as des éboueurs, t'as... Sacrifice de poulet. T'as tous les métiers, t'as des commerciaux aussi. Et je peux t'envoyer mon CV? Je recrute pas sur Discord. Non, mais on peut faire... parce que maintenant, les entretiens, ça se fait sur Zoom, donc je me dis, ça peut être l'occasion de faire un entretien d'embauche. Moi, je suis prêt. Ouais, non, enfin, en ce moment, c'est pas la grosse période pour recruter. Hein. Enfin, y a pas moyen de... Comment dire, entre parenthèses, passer sous le bureau, quoi, enfin, pour avoir un poste. Non, mais pour l'image de votre boîte, d'avoir un homosexuel, si je peux vous dire, ça peut, ça peut booster les ventes, hein. Ça dépend si c'est un métier de bouche, je suppose, non? Non, c'est pas un métier de bouche, non, du tout. C'est le traitement des déchets, hein, le recyclage, la collecte des... Il va falloir se mouiller, oui. J'ai pas le BAFA, et sinon, oui, j'ai la PRAP, donc prévention risque aux activités physiques, donc voilà. Je suis secouriste, j'ai ma SST. Si quelqu'un tombe dans les pommes, je sais le mettre en PLS, et puis je sais faire un garrot. Après... Moi, je pense que je serais vraiment utile à votre société. Quoi. Ah, il s'est... ouais, il s'est barré. Ah, mais je crois que vous l'avez dans le film, monsieur Maxou. J'ai raté l'entretien d'embauche. Habibi, t'as pas un plan pour rentrer chez Uber Eats? Parce que moi, j'ai pas de compte. J'ai jamais travaillé pour Uber Eats, laissez-moi tranquille. Tu peux expliquer quelque chose, Maxou? T'es vraiment un connard, toi, Maxou. Hein. Maxou, tu fais comment pour travailler à Ikea à La Rochelle? Bah, je viens de me faire virer, justement. Ah ouais? Il est où le Ikea à La Rochelle? T'as deux prépouces, hein? Ah putain, mais je crois que t'as raison en plus, il y a vraiment un Ikea maintenant à Pivot. À Beaulieu, là. C'est à Beaulieu, hein. Il m'a proposé de passer sous le bureau. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Faut pas dire. On est trop du cul, d'accord. Hé, Flav, ferme ta gueule maintenant, il t'a pas dit ça. Il t'a demandé, il y a eu un entretien, t'as pas voulu, alors ferme-le. Excuse-moi, Pichoun, il y a moyen qu'on parle en privé après, s'il te plaît? Non, Maxou. Il est fond. C'est bon, on va te faire enculer, me parle plus. Aïe. Elle fait ça pour se rapprocher de toi, peut-être. Elle a la dalle, elle a la faim. On était sur le point de virer Pichoun, mais tu dis que t'aimes les hommes. Alors c'est toi qu'on va Pichoun, elle a la foule en feu, je crois. Oh putain. On prend des impôts de bourrière. Arrêtez, vous allez casser le coup de Rodi, là. Pas que le coup qu'on va lui casser.
Fais gaffe, c'est un mytho à La Rochelle. Ouais, en plus, c'est un mytho étant donné qu'il n'y a pas de Ikea à La Rochelle, fils de pute. Déjà, il y a un dépôt, donc ferme-la. Fils de pute, ouais, il est peut-être pas nécessaire. Prendre, je et je pense pas que tu sois capable de faire de la même tension, Maxo, vu tes petits bras. Oui, parce que soi-disant que tout est avec mes petits bras, je vais soulever sur un meuble. Et il soulève des hommes, donc il arrivera de soulever, grosse que t'es, alors ferme-la. Étant donné que tu voulais pas salir tes mains parce que tu mets de la crème Nivea dessus pour les hydrater, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu vas pas faire de la manutention. Le DRH, comment pas me casser les couilles. Grosso modo, ouais. Tu parles pas mal, tu parles pas mal, c'est tout, gros. M'en parle pas mal. DRH, pas DRH. Oui, regardez la caméra, il a l'air énervé. Il a l'air énervé. Hop, 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 on retourne en LEA espagnol chinois. C'est vrai qu'en général, les gays, ouais, sont surtout dans ces filières-là. Non, oh, de putain, ce rire. Par contre, là, les gars. Putain, déconné, Maxo. Le mec, il fume quoi là? Bon, j'entendais pas ce que tu nous disais, Maxo, parce qu'il y a des gens qui parlaient. Mais il fume non, je disais, tu travaillais dans un restaurant pakistanais, tu disais? Non, je travaillais dans un restaurant normal, tu vois, genre en France. Et si je peux me permettre, t'es de quelle origine, Bibi? Palestinien. Norvégien. Ah, bah, palestinien, ouais, en force, Dabi. On est tous derrière vous. Hein. Et comment t'as fait alors sur la bande de Gaza? Tu t'es parti par la mer? Non, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père, ça. Ah, d'accord. Attends, Habibi, t'es tout nu là dans ton lit? Non, je suis torse nu. Montre le torse, vite fait, voir si t'es un peu si t'étais pas bi, je l'aurais fait, mais bon. Mais je suis pas. Bah. Ouais, moi, je le suis pas, vas-y, fais-le pour moi. Et rassure-moi, t'as mis un slip, enfin un caleçon, non? Je t'ai dit, j'étais torse nu, donc j'ai un jean. En vrai, j'ai pas mis un pyjama, frère. D'accord, ça va alors. Et tu dors tout nu ou tu dors en caleçon? Quand je vivais seul, ouais, à poil, frère. Mais maintenant, je suis en famille. Ah ouais, parce que moi aussi, une fois, enfin moi je dormais sur. Bah moi quand j'avais mes enfants à la maison, ça me dérangeait pas de me mettre de temps en temps tout nu, hein. Pourtant mes enfants, ils avaient quoi, 5-6 ans, hein. Petit con, sort de ce corps. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Et y'a qui comme fille sur le Discord, s'il vous plaît, c'est pour un pote? Je t'en ai plein. C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.